Bonjour mes amis de Beauceville, ici Marie-Philippe Poulin. En ce temps difficile de pandémie, il faut continuer de garder le cap dans tous les sens de l'expression, avec la santé physique et la santé mentale. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide aux besoins, aux organismes concernés. Continuez de respecter les consignes émises par Messieurs Legault et Arruda. Il ne faut surtout pas lâcher pour qu'on puisse revenir à une vie normale dans un futur rapproché. Nous avons tous jusqu'ici eu besoin de beaucoup d'imagination pour passer nos journées en confinement. Personnellement, j'ai redécouvert le plaisir des casse-têtes, la peinture à numéros, les jeux de société, en ligne avec des amis, faire la cuisine et du temps pour du FaceTime avec les gens que j'aime. Même ma grand-mère est rendue avec un iPad et j'ai la chance de pouvoir la voir sur vidéo. Et ça, j'espère que tout le monde va continuer de faire ces petits gestes-là pour pouvoir continuer ces belles connexions-là après cette pandémie. Quant aux entraînements, il faut user vraiment d'ingéniosité pour continuer l'entraînement dans un appartement en ville. Mais ça va quand même bien. Je m'en plains pas, je suis très chanceuse de pouvoir faire ce que j'aime le plus. Ces moments de pause nous font réfléchir à la vie turbulente que nous vivons normalement. Et ce n'est pas mauvais, car nous devrions se rappeler ces moments agréables, calmes et posés chez nous après la pandémie. Alors on lâche pas et on va y arriver tous ensemble. Et bientôt, la vie normale va reprendre. Les projets vont reprendre et se développer, comme le projet Multisport. Nous aurons besoin de vous tous pour réaliser ce projet extraordinaire. Les promoteurs lanceront la campagne prochainement. Soyez à l'affût et répondez en grand nombre. C'est pour notre relève et voir une population en santé, c'est merveilleux. Au plaisir, la ville de Beauceville.